Bonjour, la prépa des IMP est une prépa intégrée au groupe IMP. Elle vous permet d'entrer dans plus de 30 écoles sur la base du contrôle continu. Ces 30 écoles sont sur 5 sites différents, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Nancy et Clermont-Ferrand. Vous pouvez aussi faire la prépa des IMP dans 3 autres villes, à Valence, à Saint-Denis-de-la-Réunion ou à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. En ce qui concerne la prépa de Bordeaux, l'essentiel des enseignements est réalisé à l'intérieur des écoles, notamment à l'ENSCVP et à l'ENSERM Matmeca. Pour intégrer la prépa des IMP, nous vous conseillons de prendre l'option maths en première et en terminale, adjointe à une option scientifique, parmi physique, chimie, SVT, sciences de l'ingénieur ou numérique, sciences informatiques. Pour que la prépa soit un peu plus facile au démarrage, il vaut peut-être mieux avoir pris physique, chimie en première et une autre option scientifique et maths expert en terminale si vous en avez la possibilité. La prépa des IMP propose 500 places réparties sur les diverses villes. La candidature se fait sur Parcoursup avec des frais de dossier de 80 euros, sauf pour les boursiers du secondaire, quel que soit le nombre de sites que vous choisissez. Votre candidature à la prépa des IMP compte pour un seul vœu, quel que soit le nombre de sites que vous choisissez. Nous vous encourageons donc fortement à choisir l'ensemble des sites pour optimiser vos chances d'entrer à la prépa des IMP. Votre candidature à la prépa des INP va être étudiée en 2 phases. Une première phase avec un calcul de notes de dossier sur les notes de première et les 2 premiers trimestres de terminale, où nous prenons en compte pour 2/3 les notes scientifiques et pour 1/3 les notes de langue, de français et de philo. Cette note de dossier nous permet un premier classement et de convoquer à un entretien les 2000 premiers candidats. Dans une deuxième phase, nous élaborons le classement final remonté sur Parcoursup à l'aide de cette note de dossier, de la note de l'entretien pour les 2000 premiers candidats, d'une note issue de la fiche avenir et du projet de formation motivée pour les suivants, et aussi des notes du bac, des épreuves anticipées.